Arrête, t'es chiant. Bon, tu parles pas comme ça à ton frère, toi? Je parle comme je veux. Arrête, j'ai dit. Prends-le. C'est Géraldine. C'est Géraldine. Géraldine. Salut. Ça a été ta journée? Comme ça. Toi? Ouais, ouais, ça va. Et t'as eu le temps d'aller poser le préavis? Non, j'ai oublié. C'est fermé, donc ça sera la semaine prochaine. Ouais, lundi, mardi, peut-être qu'ils sont fermés lundi, peut-être mardi. J'irai mardi, c'est pas si grave. Oh non, bah, voilà, ça prend un mois. Je t'ai dit que j'irai, donc je vais y aller. Je te crois, j'ai pas de problème. Je peux avoir une cigarette? C'est une saison, maintenant. De quoi? Non. Patron, il y a monsieur Thévenet qui a appelé pour changer. Hein. Alors ce coup-ci, c'est parce qu'il y a un pot d'hortensia qui a disparu. Ça va? T'es prête? Prête pour quoi? Pourquoi? Tu viens courir avec moi? Ok. Tu peux me passer le recourbe-cil, s'il te plaît? Le recourbe-cil, c'est quoi? Tout s'achète. C'est un machin gris avec un capuchon. Ça, oui. Merci. Viens là. Mieux qu'à moi, de toute façon. Je veux pas avoir cette conversation quand t'es dans cet état. Mais tu peux jamais avoir cette conversation. Mais parce que tu rentres tous les soirs à pas d'heure. Mais évidemment, je Moi, j'ai pas envie qu'on parle quand on est crevé. Moi, j'ai juste envie d'aller me coucher, là, tu comprends? Mais attends, ça fait deux mois, ça fait deux mois que t'es censé t'installer ici et que... Qu'est-ce qu'il fait? Pour je ne sais quelle raison, tu fais... Ça te regarde pas, Edith, va dans ta chambre. Retourne dans ta chambre. Allez! Non, t'es pas obligé de lui parler comme ça. T'as vu le ton que tu utilises là? Tu vas me reprocher à moi de parler à ta sœur? Non, qui c'est qui s'en va? Qui c'est qui s'en va? Mais à quelle heure va-t-il? Comment tu veux dire? Tu vas attendre toute la journée?